אחות קטנה, למה לך נרדמת? בנייך זועקים, זה הקי למת. כי בסבל ובגלות לא איבדו את התמימות בנייכם לעולם. בנייכם לעולם. התפללי, תחנני, תבקשי גם תזעקי. אלוקים שבשמיים רואה הכל. התפללי, תחנני. Et comment on peut arriver à être équilibré? C'est des choses qu'on travaille sur les petites choses. Donc avant, d'abord, la racine d'angoisse, c'est une manque d'émouna et bitachon. Si on a une manque d'émouna et bitachon, maintenant je dis ça parce que beaucoup de fois, les gens y croient que si Baruch Hashem, on est arrivé à un certain stade, et, je ne sais pas, des fois... on a dit tzniout, on a couvert la tête, on fait Shabbat, donc on rentre dans une catégorie comme si on est déjà quelque part, on a pied, on a une grande partie dans la religieuse déjà. Donc on est étonné qu'il y a des choses qui nous arrivent. Mais il faut savoir que les niveaux de bitachon et les niveaux de emouna sont à l'infini. Vous savez ce que c'est à l'infini? Maintenant, si on devait être limite, Chachamim, il dit 125 degrés. Mais je vous dis, nos limites, c'est pour qu'on ne soyait pas betzimtzum, qu'on ne soyait pas limité. Parce que comme je vous avais dit, la neshama, elle vient d'un endroit qui est bemakom, qui n'est pas betzimtzum. La neshama, elle appartient à un endroit qui n'a pas de limite. Donc, comme on a dit la semaine dernière, Kadosh Baruch Hu, il nous a mis en nous une partie de lui. Donc Hachem, il n'est pas limite. Il a mis en nous, Venafach Be'apo Nishmat Chaim, il a ensoufflé en nous, de lui il a ensoufflé. D'accord? Donc lui, il n'est pas limite, il a mis au moins quelque chose qui n'est pas limite. Et tous ces nos limites, il a mis dans les limites, dans les corps. Donc nous, on ne sait pas comment gérer ce combat entre les corps et la Neshama. Ce que jusqu'à là, vous avez compris. Donc maintenant, la Neshama, elle a un grand combat. On parle de ça chaque semaine, non-stop. La Neshama, elle élevait la Torah, élevait la lumière. Elle est contente. Donc toutes les choses qui le rappellent d'où elle vient. Donc tu prends, merci pour l'eau, tu prends cette verre d'eau, prends une gobelet vide, tu vas dans l'océan, tu remplis les verres. Je les sors de l'océan, il n'a rien à voir avec l'océan, d'accord? C'est un verre d'eau, ok? Mais c'est l'eau. C'est l'eau d'océan, mais il est dans un verre. Qu'est-ce que je fais après que je le verse dans l'océan? Il n'est plus dans un verre d'eau. Il n'est plus limité dans un verre, il est mélangé dans l'eau. D'accord? Donc la Neshama, son but final, c'est contrôler le corps et être dans les mêmes nos limites comme elle était avant qu'elle arrivait dans ce monde. Est-ce que vous comprenez ça? Ce travail-là, pour ça, Hachem nous a donné 120 ans, Bezrat Hachem, avec des travails. Donc, si tu crois que la religieuse, ce n'est pas ça, et tu t'arrêtes, est-ce que la jupe est assez longue? Est-ce que ça couvre ou ça ne couvre pas? Et toutes les choses, c'est important, la halakhot et le dinim, d'accord. Mais est-ce que tu as compris que les halakhot, et les dinim, et les fêtes, et les shabbats, et les yom tov, et comment tu manges, comment tu fais la bracha avant, après, tout ça pour t'amener à coller Hachem. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme le Yetzirara, son job dans ce monde, c'est rentrer entre ça. C'est-à-dire qu'il y a toi, il y a Hachem. Le Yetzirara, toi, tu dois coller Hachem. Le Yetzirara, son job, c'est quoi? C'est rentrer justement entre toi et Hachem. Donc, il rentre comme une grande sésame, il finit par une montagne. Donc, c'est quoi la manière la plus forte pour lui de nous s'abattre? Par quoi? Vas-y, quoi? Chazak.
רק יותר רונט לעצבות, אוי ובוי, הוא ספה נוז אמנה. Il y a pas pire que la tristesse, que Dieu nous préserve. Il y a pas pire que la tristesse. Vous savez, il y a beaucoup d'avérotes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avérotes qui sont graves. C'est vrai, on sait qu'il y a beaucoup d'avérotes qui sont graves. Mais la tristesse, Chachamim dit, ce n'est pas une avéra. Mais elle va t'amener à faire toute l'avérote qu'il y a dans la Torah. Est-ce que vous comprenez? Vous avez écouté les cours qu'on a fait au mois de décembre. Vous pouvez les trouver sur YouTube. Écoutez-le sur la tristesse. Où ça ramène? J'ai cité des choses là-bas. Il n'y a pas pire que la tristesse. Maintenant, le Yetzer Hara, il nous attrape par la tristesse pour après t'enlever tous tes projets, toutes les choses que tu voulais. Maintenant, la tristesse, après, qu'est-ce qui se passe avec la tristesse? Même si tu te laisses aller deux minutes, comment? Tu peux déprimer. Ça, c'est des degrés. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des degrés. Il y a des degrés qui, comme ça, un petit mot peut te remonter. Ça va aussi. Tu comprends? Il y a des degrés qui, bon, encore, ça va, mais il y a des degrés qu'il faut mamache, rebaisser pour t'étirer de cette bain que la personne peut aller. Parce que, et c'est où aujourd'hui, notre génération, Chachamim, il parle beaucoup sur la tzvout. Notre génération, elle est mamache meoufienet, comme on dit, on les dessine avec beaucoup, beaucoup de tzvouyot, beaucoup de tristesse, même sans expliquer. Des fois, tu as des tristesses que tu as peur. Tu dis, waouh, regarde ça, elle va sortir, comment on va faire? J'ai pas d'argent, j'ai pas de maison. On peut, dès une inquiétude banale, tomber dans une angoisse, d'accord? Mais chaz, elle a une tristesse qu'elle s'installe par une odeur, par une chose, comme la peur. Elle vient, hop, comme un ombre qui passe, et c'est comme, elle te laisse une petite chose, elle s'en va. Maintenant, c'est à toi, maintenant, ça y est, c'est installé. Et ça vient par les pensées, tout par les pensées. Les guerres aujourd'hui, c'est dans les pensées, les enfants. C'est dans la tête. Et aujourd'hui, Rabbi Nachman, il a parlé beaucoup sur notre époque, c'est d'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. La peur par les pensées, la tristesse par les pensées, tout dans les pensées. Donc, mesure keneged mida keneged mida, mesure sur mesure. Nous, on est contre l'homme. Comment on dit mesure contre mesure. On doit aller. La guerre doit être aussi dans les pensées. Ça veut dire, vous vous souvenez, on a dit la marche avant. Hein? Vous vous souvenez, marche avant. Mem, chet, shin, bet, hey. Cinq lettres, les mêmes lettres des mots simcha. Shin, mem, chet, hey, bet, simcha, pardon. Ça veut dire que la pensée, à travers de ma pensée, je vais ramener une joie dans ma vie. Mais si ma pensée n'est pas bien, elle va m'amener dans l'angoisse. Et l'angoisse va ramener une inquiétude. Et l'inquiétude va ramener que tu t'enfermes. Et quand tu t'enfermes, que tu veilles ou pas, même tes propres enfants, même ton propre mari, ta voisine, qui tu veux, comme il y a les gens, ils vont être gentils une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais après, tu les colles à eux, cette restreint, et eux-mêmes, ils s'éloignent. C'est triste de dire ça. Ça fait mal au cœur. Combien de fois les gens, ils me disent, mais tal, tu m'as envoyé voir celui-là, mais la vérité, je suis venue une fois, deux fois, mais je ne peux plus. Je pense à elle. Donc, la pauvre, qu'est-ce qu'elle fait? C'est sa faute. C'est un handicap maintenant. Donc, il faut savoir que Bezrat Hashem, que jamais dans notre vie, on soit dépendant de personne. Amen. Amen. Jamais, jamais, jamais. Amen. Mais sachez une chose, que notre génération, peut-être on est génération les plus difficiles qu'il y avait depuis la création du monde. On a un grand mérite, mais on a un grand travail sur nous. C'est qu'on a des capacités. Et tout doit passer dans les pensées. Tu peux ramener les guérisons, enlever l'angoisse, enlever les peurs, enlever beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est très difficile. Si c'était appuyé sur un bouton, tout le monde appuie sur un bouton, ils ont la joie, ils n'ont pas la... Mais comme c'est dans les pensées, donc ton travail, c'est dans les pensées. Est-ce que vous comprenez? Travailler dans les pensées. Si tu arrives, Chachamim, il dit comme ça, il dit, Mirtav Melia, il dit, quand les chetzim, les flèches de Yetzer Hara, ils se jettent vers toi, tu sais les flèches là, il jette sur toi une flèche d'une marchava qu'elle va t'angoisser directement. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Au même temps, tu vois la flèche arriver, toi sors une autre, tu l'attaques direct. Mais ça, il faut être.
une entraînement. Attends, j'arrive. Non, je ne vous dis pas les choses, crois-moi. Vous me faites confiance que j'ai jamais, je vous parle des choses. Si je ne l'ai pas, et c'est sort de mes tripes. Je ne parle pas comme ça pour parler. Je ne sais même pas les choses que je vais parler. Mais je vous dis, cette sujet, il faut savoir que l'Emouna, c'est entraînement. Mishon Emoun. Emoun, c'est je m'entraîne. Tu m'entraînes pourquoi? Parce que dans ce monde, c'est une guerre. L'homme, c'est une milchama pour manger, milchama pour vivre, milchama pour penser bien, milchama pour être un homme cachère, milchama pour un homme, que l'homme il soit fidèle à sa femme, milchama pour la parnassa, pour les zivoug, pour les enfants, c'est une milchama. Chnia. Mais Chachamim, qu'est-ce qu'il te dit? Betachboulot, t'as lecha milchama. C'est quoi tachboulot ruse? Qu'il faut être, il faut être non. Tu dois être vicieux pour faire ta guerre. Parce que sinon, tu n'arrives pas. Ça veut dire que quand les parashat qui te disent, ils te disent, qui te disent les milchama à l'oivecha, quand tu sors à la guerre, sors à la guerre, d'accord? Si tu sors à la guerre, tu vas combattre ton ennemi. Avec ton épée, sur ta hanche, et tu sors à la guerre, maman, tu fais ta guerre, tu vas les dominer. Pourquoi? C'est quoi la guerre? C'est la tavline. Hachem, il a dit, je t'ai donné la Torah, les Yetzerara, pardon, je t'ai donné la Torah, je t'ai donné les Yetzerara. Ça veut dire que les Yetzerara, il est là pour que toi, tu ne réalises pas la Torah. D'accord? Et Hachem, il t'a donné la Torah pour dominer cette Yetzerara. Donc, si tu sors à la guerre, en fait, tu fais quoi? Tu prends les épices qu'on appelle Torah et tu jettes sur ton ennemi. La Torah, elle te dit, si tu fais ça, tu vas les dominer. Mais comme nous, on aime des raccourcissements, on aime des raccourcir les chemins. On attrape quelqu'un, ah, c'est les fils rouges, ça donne la joie, donne 10. Ah ça, tiens, arrange-moi mes problèmes. Un rave là, vas-y. Tu demandes c'est qui le rave, comment il a travaillé sur lui, qui est la personne, d'où il sort, d'où il vient. On est monde de shaker aujourd'hui. Et après tu tombes et tu te lèves. Pourquoi? Parce que si Hachem t'a amené une période de tristesse, une période de peur, une période de difficulté avec ton mari, difficulté pour enfanter, difficulté pour avoir des maris ou je ne sais pas quoi, c'est qu'il veut que tu sors de toi le meilleur qu'il y a en toi à travers de cette épreuve. Mais si tu crois que tu vas raccourcir le chemin en une bracha, c'est toujours bien de câbler le câble bracha, bien sûr, va chez ta mère qu'elle te fait une bracha chaque jour, s'il est encore vivant, ou ton père, tzadik, c'est toujours bien une bracha d'un tzadik. Mais le tzadik ne fait pas faire le travail pour nous. C'est nous, on est venus dans ce monde, on a des réparations. Comprenez, on a chacun un travail à faire. Le tzarara, il ne veut pas qu'on fasse ce travail. Donc qu'est-ce qu'il fait? Dès que tu dis, allez, ça y est, je prépare les sacs, je prends le chemin, il essaye de te donner des idées pour justement que tu n'arrives pas à faire les choses. Mais si on ne veut pas raccourcir les chemins, si on prend la Torah, d'accord? Pourquoi je m'énerve chaque Shabbat? Pourquoi les cigarettes à indice, son mari le filme, l'autre il boit? Pourquoi tu t'énerves? Parce qu'il n'y a pas assez de Torah. Parce que ça, c'est une chose. La Torah, c'est comme si tu as cuisiné dans la cuisine. Il y a des odeurs, plein de balagan. Tu ouvres la fenêtre, d'accord? Ça aère. Tu mets un petit piche-piche là, une bonne odeur. Makara, efokola, reach. Oui, tout est parti. La Torah, elle c'est comme une poussière que dès qu'il arrive sur un endroit ou sur une chose, la chose, il s'élève. Est-ce que vous comprenez? Ça, il faut prendre, mais pas chercher, j'ai raccourci le chemin. C'est toi la question. Tu m'avais dit, elle t'avait dit un jour, un cours, je l'ai déjà fait, c'est super. Quand par exemple, tu as une angoisse, dans notre tête, on ne peut pas penser à deux choses en même temps. Et le cerveau, il ne peut pas penser à deux choses. Donc, et c'est vrai que ça marche bien. C'est pas moi qui le dis. Moi, je ne vous dis rien de moi. À col, mais à se farine. Ouais. Quand ça vient, une petite angoisse, tac, tu penses à voilà un témoignage. Grâce à Dieu. Le cerveau, il ne peut pas penser sur les noirs et les gris. Il ne peut pas penser, c'est ou les gris ou les noirs, il n'y a pas les deux. Donc, c'est quoi la guerre dans les pensées? Quand tu as une... Quand vous avez une pensée qu'elle est, que tu veux la débarrasser, on va faire les brachot, ça dit quoi, deux secondes. Quand tu as une pensée
qu'elle ne te fait pas bien, d'abord, tu l'amènes avec une autre pensée qu'elle remplace celle que la précédente. Maintenant, si c'est dans l'angoisse, tu ramènes une pensée que Bezrat Hashem, on a dit plusieurs fois, qu'est-ce qu'il fait les Tzarara, c'était vicieux. Il te prend une angoisse dans le futur ou une peur dans le futur, il te l'amène dans le présent, il t'angoisse le présent. Donc, mesure par mesure, tu prends une espérance d'un beau jour des futurs et tu arranges ton présent. Est-ce que vous comprenez ce jeu-là? Ce que Chachamim nous donne comme conseil. Donc, il ne faut pas... parce que l'angoisse, maintenant, on n'a pas peur de quelque chose. C'est vrai que tous, on a des angoisses. À partir du moment que tu es une maman, tu es une angoisse. C'est gamin, nous. Tu as une partie de toi que tu t'inquiètes. Ok? Donc, c'est normal. C'est pas quelque chose que ça va pas, t'es pas normal. C'est tout à fait normal. Au contraire, quand quelqu'un il a peur de rien, ça dépend de où il est sûrement sûr de lui. Où il a une grande bitachon, où il est complètement il dort debout. Tu comprends? C'est sûr. Mais l'angoisse, il faut savoir toujours, je remplace l'angoisse par une pensée positive. Et la pensée positive, vous savez, tu peux pas t'imaginer. Combien de malades ils sont guéris qui à travers des pensées. Et comment on dit trufa d'ema? Comment on dit trufa d'ema? Trufa, c'est un médicament. C'est un médicament, mais par exemple, ils ont fait une groupe. Non, c'est pas grave, j'ai l'habitude pour dire un mot, je rallonge, je dis, moi, j'arrive pas. Hein? Passible. Il y avait. C'est un médicament qu'on remplace. Oui, mais non. C'est un médicament. C'est pas grave, regarde, on ne va pas perdre le temps. 2 secondes. Regardez les filles. Non, je vais vous expliquer, regardez. Il y avait un groupe de gens, il y avait un groupe de personnes qui devaient faire une opération sur les genoux. Il y avait un groupe de personnes, mais ce groupe, ils étaient 50. C'est une expérience en États-Unis. Maman, le Rav, il a tout détaillé ça. C'était 50 malades qui devaient faire tous une opération dans les genoux. 25 d'eux, ils ont fait vraiment l'opération. Et les 25, ils ont juste ouvert un peu les genoux. Ils ont fermé, ils n'ont rien fait. Les 25, ils n'ont pas fait l'opération. Et les 25, ils ont fait les mêmes résultats. Est-ce que vous croyez à ça ou pas? Aujourd'hui, il y a des médecins. Médecins, ça s'appelle médecins naturels. En Israël, c'est Baruch Hashem, il y a beaucoup de chokhma chez les juifs. Ils voient toujours dans la racine des choses. Et il y a beaucoup de médecins qui sont dans la nature, à col nature. Et il parle beaucoup de la marshava, comment la pensée peut influencer tout. Donc, il faut qu'on prenne ça pour jouer sur des situations. Donc ça, c'est pour élever d'un tristesse. Tu penses des positifs, tu penses Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu. D'abord, une chose qui est principale, que chaque fois je dis, il y a Emouna et Bitachon, Emouna et Bitachon. Aujourd'hui, les femmes, même les hommes, les choses qui, après que bien sûr qu'on connaît l'alachot, une femme mariée, elle doit connaître l'alachot de Taharat HaMishpacha. Parfait, doit être espèce là-dessus. Et d'alachot, de kashrut, faire très attention à ce qu'on mange chaque fois, on parle de ça. D'accord? Alachot de Shabbat, c'est bien qu'on apprend l'alachot de Shabbat, tu vas voir, plus ça va dans l'alachot, il y a une simcha à la maison que tu ne peux pas expliquer. Et une fois que plus ou moins on fait les choses autour, il faut renforcer bitachon et emouna non-stop. Vous avez 5 minutes, vous êtes dans la voiture, tu cuisines, tu peux écouter un cours, mais Bitachon et Emouna, pourquoi? Quand tu travailles sur Bitachon et Emouna, tu ne peux pas savoir comment après les choses deviennent tout mini à côté de tout. Parce que je vous dis une chose, le Chovat Alvavot, il dit, « Kol apochad me'echad, lo pochad me'af echad. » Celui-là qui a peur des uns, c'est qui un? Ah, c'est Alufo shel Olam, Melech Hamlachim, Akadosh Baruch Hu. Si tu as peur de Hachem, tu ne peux pas avoir peur des autres. C'est quoi? Les Parnassa, Hachem Zan ou Mefarnes, Kadosh Baruch Hu qui donne la Parnassa à l'homme de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Quoi? D'être malade ou pas malade? Ani Hachem Rofecha.
C'est marqué comme ça, Parashat Bechukota, elle dit, Im Bechukota et Tukilechu. Si vous allez dans mes choukim, si vous allez dans mes lois, il y a une loi. Il y a une loi que l'homme doit respecter. Qu'est-ce qu'Hachem dit? Si vous allez dans mes lois, Kol HaMachala, Shesanti Bemitzrayim lo asim alechem. Toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, je ne mets pas sur vous. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, c'est pas un petit peu les plaies des. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est les plaies d'Égypte. Parce qu'il n'y a même pas deux semaines, il y avait des grêles comme ça grandes, ma mâche ouais. Comme ça. Mais quand je vous dis ça cassait, c'est, je ne sais pas quel pays, mais il y a un rave qui l'envoie comme une tachazit, je ne sais pas comment on dit. Toutes les catastrophes naturelles pour montrer comment on est dans les signes avant Mashiach. Catastrophes naturelles, des choses qu'on entend. Donc, des graines. Donc, tu vois que. Si tu as peur de quoi? Parnassa, c'est Hachem qui est dans la. Des maladies, c'est Hachem qui est dans la main d'Hachem. Il va faire avec toi le meilleur qu'il y a pour toi. Et pourquoi qu'il va te faire du mal? Ça veut dire. Que tu es devenu maintenant tikkunim, vous faites tous des réparations. Justement, on a fait tellement de fautes. Il ne faut pas aussi non plus. C'est trop s'angoisser. Parce que quand on s'angoisse trop, on s'est bloqué complètement. C'est vrai qu'à côté de ça, bien sûr qu'il faut travailler. Qui t'a dit que. Tu n'as pas le droit de faire la chonara. Si ce n'est pas un but constructif, ne parle pas sur troisième personne, ne parle pas sur personne. Tu es obligé de connaître les choses. Mais d'ici à moi, que la personne a fait vraiment une faute grave, donc il va avoir son rav ou quelqu'un qui lui parle, qui lui fait son tchouva. Mais pourquoi arriver à toutes ces pensées négatives? C'est qu'on n'a pas les émounas et bitachon que Akadosh Baruch Hu, il est là. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu mets toute ton crainte vers Hachem, tu ne peux plus avoir peur de plus rien. Les gens, ils te parlent, je veux que mon fils va faire ça, il va faire ça. Et comment il va faire quand il aura 20 ans? Je dis, attends qu'on vit encore 2-3 ans, on verra qu'est-ce qui se passe. Si demain, Mashiach, il arrive, mais tout ça, projet. Il n'a même pas 6 ans. Il a Gvar, les gens, des fois, regarde le stress d'où il vient, des pensées. Par rapport à la société, par rapport à qu'est-ce qu'il dit les gens, par rapport à comment il me voit, comment il me voit pas. Ton fils, il est en bonne santé, dis merci Hachem. À quoi il peut changer? Combien de gens, Shlomo HaMelech dit, lo la kalim amerut, ze lo la chachamim lechem. Ceux qui savent, ceux qui travaillent, tout pas toujours ils ont de quoi manger à la fin. Et pas ceux qui savent courir, c'est pas eux qui arrivent les premiers. C'est-à-dire que des fois dans la vie, tu crois que si tu as X, Y, Z, donc ça y est, la réussite, elle est sûre. Pas du tout. On a vu des choses à l'envers dans la vie. C'est pour nous montrer comment Akadosh Baruch Hu, il te montre que rien dépend de toi. Par an, qu'est-ce qu'il a dit? Tous les bébés, l'astrologue, il lui a dit que le bébé, celui-là qui va sauver Am Israël, il vient de naître. Qu'est-ce qu'il a dit? Tous les bébés jetés au fleuve. Qu'est-ce qu'Hachem, il a fait? Que par an, il met. Moshe Rabbeinu sur ses genoux, il lui fait Dio, Dio. C'est quand on joue avec les petits. C'est Moshe Rabbeinu. Tu es en train de jouer avec celui-là qui va être contre toi, celui-là qui va sauver le peuple d'Israël. Il est sur tes genoux. Ça veut dire que des fois, quand on s'inquiète trop, c'est qu'on ne laisse pas la place à Kadosh Baruch Hu. Et déjà, ça, c'est tout seul ça. Ça revient comme une punition vers nous. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une punition. C'est tes actions, ils t'approchent à Hachem. Et tes actions t'éloignent d'Hachem. Est-ce que vous comprenez? Parce que Chachamim, il dit, si tu fais trop de confiance à une personne, d'accord? Ah, tout, c'est cette personne. Donc Hachem, il te dit, ah, d'accord, tu fais toute ton confiance à Paul, bah, je te laisse dans la main de Paul. Qu'est-ce qu'il arrive à Paul? Arrive à toi, demain, il n'est plus là, donc maintenant, il n'y a plus Paul. Mais si tu mets ton confiance à Hachem, même si tu es un voleur, d'accord, bon, il va s'occuper de ton vol. Mais tu fais confiance à lui, il sera avec toi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça, il faut travailler le bitachon et emouna, que ça enlève beaucoup, beaucoup d'angoisse. Deuxième chose, où on est, qu'est-ce qu'on fait avec notre antenne? Notre antenne, vous souvenez, les yeux, c'est une antenne. Les oreilles, le nez, la bouche, la langue. Si on est en train de regarder, j'ai parti chez un couple à la maison, pour une ignane, la femme, une télé, presque la moitié de cette mur.
Je dis, comme ça, tu veux avancer avec tout cet élève, sûrement les feuilletons, et les belles femmes et son mari, il regarde à côté, elle était ficha la maman. Je dis, tu veux quoi quand il regarde la belle dame là-bas, et toi à côté, Hachem Ishmor. Donc déjà la télé, c'est marrant, mais je vous assure, la télé, l'information, c'est la stress. C'était, tu es en train de constamment comparer. Le journal, même le journal, je vous avais dit, j'étais un peu dure, mais vous allez voir que ça va vous aider. Même le journal, soi-disant, dati, enlevé. Et c'est dati. À col, champir sans mode. Comme on peut vendre, on vend encore des pubs. À col, il faut enlever. Pourquoi? Parce que c'est une information qui tu rentres. Et tu n'as pas toujours les cochotes. C'est comme si maintenant, j'ai quelque chose de très fragile et j'ai mamash, imaginez-vous des srochit, comme on dit, des verres très 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 fragiles et je verse de l'eau chaude dedans pour faire un café. À la cause, oui ou non? Il faut savoir que nous, on est fragile. Aujourd'hui, on est fragile. Et il n'y a pas, tu peux faire même si tu veux des coachs, ce que tu veux, les filles aujourd'hui, il y a des filles qui font garde dans l'école, tu le fais comme ça, elle est, ça ne veut rien dire physique et comme on dit, à l'intérieur, on est fragile. Il y a, chaque chose nous fait comme ça. Donc, si tu prends beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et des choses, et celui-là, il est malade, et l'autre, il est tombé, et l'autre, il est ça, et la fin du monde, et il y a une étoile qui arrive, waouh, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit fermer un tout petit peu des choses, pas parce que je ne veux pas savoir, ce que tu dois savoir à Kadosh Baruch Hu va amener jusqu'à chez toi que tu vas être au courant. Ce que tu dois être au courant, parce que Chachamim dit, on n'entend rien si ce n'est pas qu'on grandit à travers de ça. Ou grandir, ou tu as un choix, ou grandir ou descendre. Ni tu vois, ni tu entends, ni tu entends, rien si c'est nécessaire pour ta vie. Donc si on veut éviter un petit peu des choses, que ce n'est pas tout nécessaire, LCI ou je ne sais pas comment ça s'appelle cette chaîne, 20 fois dans, la même chose, ça sert à quoi que vous réécoutez la radio, tout. Ah non, c'est une chaîne israélienne. Pourquoi? Tu crois qu'aujourd'hui, tu peux dire qu'il y a un endroit que tu es vacciné à 100%? Pourquoi tout le monde, c'est des juifs? Il n'y a pas tout le monde des juifs. Donc, il y a des gens qui s'est mélangé, soi-disant des juifs, mais qui te fait passer des choses comme des juifs et des eux qui acceptent tout. Donc, il faut faire attention. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ça, c'est des choses qu'il peut enlever des angoisses. Maintenant, l'angoisse que toi, tu veux savoir par rapport au cours. Pourquoi? Par rapport au cours, c'est la suite. Tu peux préciser comme ça, je sais, avant que j'ai fait ça. Après, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shehakol Nehiya Bidvaro. Amen. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence les brachot? Est-ce qu'il y a des questions? Elle a dit Mazal. Je t'adore. Bon. Tu peux te savoir une fois par jour. Tu peux, Mazal. Tu peux, Mazal. Eh ben, il est passé ce matin à BFM TV avec je sais pas quoi. Toute la journée, il est passé. Eh, les filles, regardez, on ne va pas faire des comme on dit, des commentaires. Regardez, regardez. Il faut savoir si les filles, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas que quelque chose, il est là, je vais me servir. Je prends ce que j'ai besoin, un verre d'eau, je prends un verre d'eau. Ce n'est pas parce qu'il y a 400 bouteilles que je vais boire tous les 400. Donc, tu as besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Hein? Mais attends 2 minutes, comment? Tu veux allumer la télé, tu vas regarder des informations, mais à côté de ça, il y a des films et des trucs et des malheurs, donc tu ne peux pas. Mais, je t'ai dit, ma chérie. Ça veut dire qu'Hachem, il t'a dit, je t'ai donné la vie et je t'ai donné la mort. Mais ce n'est pas la mort, la personne, il est mort. Pas du tout, tu peux vivre épanoui ou tu peux vivre mourir.
Chas v'chalila. Donc, après que tu as ce choix, tu choisis à droite ou tu choisis à gauche. Donc, quand Chachamim ils disent que dans une école, il faut séparer les filles et les garçons. Dans l'école en France, c'est bien que les garçons et les enfants soient dans une école juive. Et les gens, ils ne comprennent pas gentiment les choses. Tant que leurs enfants, ils n'ont pas fait tabasser parce qu'ils sont juifs, ils n'ont pas mis dans les écoles juives. Donc l'homme, là, il est têtu. On doit reconnaître qu'on est un peu têtu. Donc, pour que j'arrête de manger ces chips, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Parce qu'est-ce qu'il y a mal aux chips? Tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a mal? Non. Il n'y a rien, n'achon? Mais si on te dit que c'est quelque chose qui n'est pas bien, je ne parle pas des chips, je vais donner un exemple. Si on te dit que la chose... Non, après là. Si on te dit que quelque chose n'est pas bien pour toi, tu crois qu'Hachem, il n'a rien à faire, il cherche comment je peux embêter mes créatures un petit peu? Pas du tout, au contraire. Tellement qu'il veut nous donner du bien, d'accord? Qu'on a, c'est comme cet verre, on n'a pas su l'utiliser dans la lumière ou le contenu qu'il faut. Il était un verre très fragile, à place qu'on met de l'eau tiède avec autre chose, on a mis de l'eau chaude, on a éclaté le verre. Donc, Akadosh Baruch Hu veut nous donner, et Akadosh Baruch Hu bara et briotav, שיתענגו עליו, כי ורמו נו, אונה מתענגים על השם. השם וכתדונה דוביה דון סטמונד. מפפה תדונה, דון לה, דון, כמסה כמו עונה. דון כשכן, אילה דשוז הרפרה עולוי, פורסבוע, סכי השם ולידונה, כלפה לרסבוע. אילה דז'ון כ... Trop de santé, c'est pas bien pour eux. Il y a des gens, trop d'argent, c'est pas bien pour eux. Il y a des gens que la pauvreté, elle est bien pour eux. Les gens que chaque chose, il est bien pour une période dans sa vie par rapport à ce qu'il doit réparer dans sa vie. Mais la totale, c'est qu'Hachem veut qu'elle nous donne du bien. Mais combien il nous donne des conseils? C'est, Rachid dit, c'est comme si un homme, il te donne un champ. Il te dit, tu vois, je t'ai donné la vie et la mort. Mais je t'ai... Tu choisiras la vie. Ça veut dire, voilà, je te donne tout ce champ, mais choisis cette partie. C'est que même il te monte, tu choisiras la vie. Ça veut dire, comme c'est lui qui t'a créé, Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il est bien pour toi. Donc il te dit, choisis la vie. Je sais que tu vas être tenté par tout ce qu'il est, entre guillemets, la mort. Parce que c'est quoi la mort? C'est fait vivre que le côté animal qu'il y a en moi. Que de manger... de s'habiller comme je veux, sans aucune limite dans rien, je parle comme je veux, je mange comme je veux, je m'habille comme je veux, je fais ce que j'ai à ma tête. Ça, c'est la mort. Parce que c'est un verre qu'il y a un trou. Combien tu vas le remplir? Jamais il est rassasié. Toujours, il est vide, il est vide, il est vide, il est vide. Mais la vie, ça va t'apprendre que d'afka dans cet verre, tu ne voudras même pas plus et tu vas être très content avec ça. Et ça va être, chaque goutte, c'est une qualité. C'est ça la vie. Parce que vous croyez que tous les gens qui voient un peu de lumière dans la Torah, ils ne peuvent plus faire une marche arrière. Et s'ils font une marche arrière, que même les premiers pas étaient fausses. Est-ce que vous comprenez? On fait un peu de brachot ou il y a des questions avant? C'est profond, c'est pour Rachel. Le parti est fumé. Bon, on va faire un peu de relais du mésonote. C'est ce que tu dis. Relais du mésonote. Quand tu as la télévision chez toi ou ton mari il regarde, nous regarde les films, c'est difficile de retirer tout ça. Franchement, très difficile. Franchement. Et puis bon, non, en fait, il y a du mal. On voit un film. Bazal, relais du mésonote. On voit pas l'impact de tout ça. Je vois pas. Mon mari adore le foot. C'est pratiquement tous les soirs devant la télé. Voilà des verres. Devant le match de foot. Hein. Et voilà du coup. Franchement, là. Et tu étais esclave d'une esclave. D'accord? Mazal, ma pour mamie. Non, deux minutes, les filles, deux secondes, on va continuer les brachot. Donc, c'est pas qu'il te sort d'Égypte, que tu sois libre,
pour faire ce que tu as, ce que tu veux. Tu comprends? Ça veut dire que tout le but des sorties d'Égypte, qu'on soit serviteur des rois. Maintenant, les serviteurs avec les rois, il ne fait pas ce que lui, il veut. Ça veut dire que les serviteurs, il est là pour servir les rois. La Mishnah, elle dit, « Batel retzoncha mipnei retzono. » Tu annules ta volonté face à la volonté de Hachem. Qu'est-ce qui se passe, la deuxième étape? C'est que lui, après, il annule la volonté des autres face à ta volonté. Mais tu ne vas pas annuler ta volonté pour que lui, après, il annule. Tu ne rentres pas dans ce calcul. Tu fais sa volonté parce que c'est mon roi. J'ai pas... La question, elle n'est même pas là, si je fais ou je ne fais pas, ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Je fais point final. Ah, tu veux comprendre après les choses? Annule-toi complètement, comme cette graine que tu la mets sur la table, elle ne va rien donner. Tu la mets au contact avec la terre, elle va pourrir, elle va mourir, et après, elle commence à pousser. Donc, quand tu t'annules avec Hachem, tu peux sortir de toi le meilleur qu'il était caché, parce que tu étais têtu. Attends, j'arrive. Non. Exact, mais attends, j'arrive. Moi, je ne réponds pas comme ça, direct. Si tu veux une question comme ça, tu allumes la lumière, tu éteins. Tu as compris, tu ne vas rien comprendre. Donc, il faut savoir que Chachamim, il dit, kol ha'isurim, la majorité des épreuves que l'homme a, c'est parce qu'il est têtu. Et quand il est têtu, il a beaucoup d'orgueil. Maintenant, après, tu as des gens qui n'ont pas du tout d'orgueil, il y a pas... Mais c'est des cheshbonot que tu ne peux pas connaître. Tu peux rentrer dans les calculs qui est tzadik, qui est rachat, pourquoi il souffre, pourquoi il... Des fois, une personne qui souffre, grâce à son souffrance, les pauvres, il y a 1000 personnes qui sont sauvées dans cette ville. Et lui, il souffre maintenant, il ne dit rien. Donc, des fois, une personne tzadik peut souffrir que 1000 personnes ne vont pas partir dans une épidémie ou une catastrophe. On ne peut pas rentrer dans les cheshbonot. On sait une chose. Nous, on doit faire X, Y, Z, on le fait. Non, c'est justement X, Y, Z, ça t'a l'air rien. Mais c'est tout un monde là-dessus. Est-ce que tu comprends? Oui. Qu'arriver à une bitoule, je m'annule, j'ai pas de volonté. Moi, j'ai aucune volonté. Simplement, la volonté d'Hachem. Donc, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Hein? Qu'est-ce qu'Hachem, il dit? Im bechukota itelech, ou si vous allez dans mes lois, il n'y a rien. A Geshem, la pluie, il tombe à l'heure. Tout ce que vous avez besoin, vous aurez sur le moment. Ah, mais si vous n'allez pas dans mes lois, je n'ai même pas répété la suite. Tu as une paracha, c'est marqué Zot Abracha. Et voici la bracha si tu fais X, Y, Z. Un petit peu après, tu as la klala, Hachem Ishmor. Donc, il ne faut pas. Ça, je t'explique ce que première chose, ce que Chachamim dit sur les épreuves. Maintenant, comme je te répète, tu me parles comme ça d'une personne que je n'y connais, je ne sais même pas son épreuve, je ne sais pas ce qu'elle a fait dans sa vie, je ne sais pas ce qu'elle fait, ce qu'elle n'a pas fait, ses parents, c'est son mari, non, tu comprends? Non. Ce n'est pas n'importe. Non, la question, c'est très important, ses parents à elle. Comment? Non, c'est pas ça la question, excuse-moi. Non. Moi, la question, c'est... Non, elle, elle a posé une question. Oui, c'est-à-dire, maintenant, la dame, là, peu importe les cheveux du moment là, elle est face à une épreuve. Comment elle est face à cette épreuve? Ah, ça dépend... Ça, avec le bitachon et Mouna. Oui, mais c'est maintenant, ça. Attendez, Mazal, mamie. Non, parce que ça, la vérité, non, mais je parlais de la petite. Regardez, non, ça me déconcentre. C'est ça, c'est non, regardez, les filles. Attendez, c'est pas le problème de. Il faut comprendre une chose. La Gemara, elle dit comme ça. C'est des sujets qu'on rabâche chaque fois. Comprenez? En malasot, c'est comme ça. Mais la Gemara, elle dit une chose. Ad mata yisurim la adam. Jusqu'à quand les épreuves pour l'homme? Jusqu'à quand? Il y a quand même un moment dans la vie, n'achon? Ad shu mevin, jusqu'il comprend ce qu'Hachem, il veut qu'il change, qu'il travaille sur lui, qu'il change. Vous savez, comme il y a l'orgueil, elle cache, elle fait une belle vitrine. Vous savez comment, quand tu es corrompu avec une inyane, tu peux faire une super belle vitrine, mais en bas, tout est pourri. Vous savez? Vous savez quel regard percé et sincère tu as besoin pour faire vraiment l'avodat Hachem?
comprenez, il y a des cours qui ont été faits, Maza, Kolto, Mami, tout va bien, tout va bien. Mais si tu veux travailler sur toi, tu ne peux pas entendre toujours tout va bien, tout va bien. C'est quoi alors toute cette parachute? Zotavacha, Zotaklala. Si tu fais ça, tu aurais fait ça. Donc, tu comprends qu'il y a un moment aussi qui a Kadosh Baruch Hu, il te dit, oh, je t'ai attendu. Allez, réveille-toi. Regarde-toi avec ton fils. Combien de fois on donne cet exemple? Tu vas dire à tes enfants, allez, on est rentré de l'école. Vous avez pris une goûtée. Maman, elle vous a pris le temps. Maintenant, ça, également, le fait est de voir. Et il te tourne, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept, huit, neuf fois, qui était patiente. Tu vas encore, gentiment, mamie, tu fais tes devoirs. Hein, comment ça va être? Après, c'est des degrés. Donc, si on veut traduire relation, nous, avec Hachem, c'est qu'il y a une étape. Il y a des gens qui ont un problème de parnassa, ils ont resté comme ils sont. Ok, parnassa, c'est passé, tu as une parnassa. Il tombe malade, il ne veut pas comprendre. Deuxième fois, moi j'ai vu des gens. Hachem, il n'arrête pas de les envoyer. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Il y a une histoire, Rav Amnon Yitzhak, qu'il raconte dans un de ses cours, qu'il y avait deux personnes. C'est toute une histoire longue, mais c'est trop balagan pour tout arriver. Mais la personne, mamash, tu vois une étape après une étape, comment il est têtu. Et le Rav, il lui dit, annule-toi au moins, dis que tu regrettes sur les paroles que tu as dites. Vers Hachem, c'est même pas vers le Rav. Il était têtu, il ne voulait pas admettre que ce qu'il a dit, c'est grave. Et ce n'est pas comme ça qu'on se conduit. Et des épreuves et des épreuves et des épreuves. Ça veut dire que si on comprend ce qu'Hachem veut, les choses cessent. Mais le problème, il faut comprendre. Il faut avoir une volonté d'en faire, de comprendre les choses pour être collé à Hachem. Pas comprendre les choses pour que les issourim s'arrêtent. Parce que des fois, on veut, on est prêt à tout faire. Ah, enlève-moi ça, c'est problème. Le problème, il est passé, la personne devient comme avant, même pire qu'avant. Mais si Hachem, il a fait ce problème, qu'il a une bite, que tu te rapproches de lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que la plupart des temps, on met des lunettes de soleil parce que le soleil, elle me dérange. Mais s'il n'y a pas de soleil, je ne tiens pas les lunettes. Est-ce que vous comprenez? C'est que Hachem, il veut que pas maintenant le problème, il est passé, tu t'éloignes toi aussi avec le problème. Reste là, malgré que tes affaires, tu as changé, mais les choses, tu changes. Est-ce que tu comprends? C'est pas la question que je t'ai posée. Non, je sais plus quoi je réponds en général. Mais je sais pas, toi aussi tu as posé des questions, je sais même pas qu'est-ce que tu as posé comme question. Par rapport à ce qu'elle a dit, je dis que quand la personne elle est anéantie par l'épreuve. Alors les noms, c'est pas les des fois les tu es complètement dedans. À la panique. D'accord. Comment elle se trouve la force de se relever? C'est ça la question, on est d'accord? C'est ça, quand, peu importe les riches bonheurs, qui c'est? Tu peux me dire qui c'est dans le monde qui peut te répondre à cette question? La Gemara, elle dit, le Pirkei Avot, il dit, Al Tochiach, quelqu'un qui l'a, Al Tochiach, l'Adam, Shemuto, Muta, Lefanav, qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui vient perdre son chair? Tu vas lui dire, ça va aller, ça va aller. Assis-toi à côté de lui, ne dis rien, reste là, c'est tout. Donc, qu'est-ce que tu veux dire à une personne? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Elle a des problèmes de tous les sorts. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui faire des moussas? Non. Tu vas lui dire quoi? Donc, c'est des choses qui sont difficiles. Tu comprends? Je sais pas. Je sais que Bichlal, des difficultés, c'est pas évident. Mais si on a encore. Elle va lui faire des moussas. C'est comment elle à l'intérieur d'elle trouve la force. J'ai compris. C'est ce que je t'ai dit, de trouver la force. À travers d'une émouna et d'une tachon. C'est ça, comment elle s'en sort. Rak à travers des émouna et bitachon. C'est quoi les émouna et bitachon? C'est que tu mets à Kadosh Baruch Hu devant toi non-stop. Donc, comme vous êtes maman, Bezrat Hashem, ceux qui ne sont pas encore, ils vont être bientôt. Amen. Une maman, tu vois l'amour que tu as pour ton fils ou ta fille ou tes enfants, l'amour infini. Oui ou non? Une condition, hein? Il y a un amour, une mère pour ses enfants, c'est même la nature, même les lions, même chez les animaux, les avdil, c'est un amour, c'est il y a qu'ils ont. Kal vachomer, l'être humain, c'est les liens les plus élevés qu'on peut s'imaginer. D'accord? Donc, comme tu aimes ta fille,
comme ça Hachem il t'aime. C'est ça que tu dois savoir, que Hachem il t'aime, tu ne peux pas t'imaginer combien. Donc si tu sais que ta mère elle t'aime sans condition, ou ton père, d'accord? Tu peux avoir peur de ton voisin, de ta copine, peut-être elle a changé, elle veut te faire du mal, n'importe qui. Mais jamais, jamais une mère normale veut du mal à ses enfants. Est-ce que ça, vous pouvez mettre dans vos têtes? C'est sûr. Donc, une des choses que les Yetzirara, ils t'aiment, qu'Hachem, ils ne t'aiment pas. Ça, c'est une chose qui crée une grande vallée entre deux montagnes. Tu as toi, Hachem, tu dois arriver à coller Hachem. S'il t'aimait que tu, Hachem, il ne t'aime pas, mesure par mesure, tu ne m'aimes pas, je t'aime pas. Est-ce que tu comprends? Combien de gens, ils peuvent travailler sur eux et dire, ah, tu ne m'aimes pas, mais moi, je t'aime quand même. Vous savez quel travail c'est? Donc, comme on n'a pas ce niveau de t'aimer malgré que tu ne m'aimes pas, donc automatiquement, je ne t'aime pas. Donc, le Yetzer Hara, il sait ça, et il met les graines dedans. Donc, notre travail, c'est renforcer qu'Hachem, il t'aime sans condition. Tu ne peux pas t'imaginer combien il t'aime. Si on savait, on aurait pleuré d'émotion. Tellement on pense des choses, des fois on dit, combien on a, vous savez comment, quand Bezrat Hashem, que Niske l'irot et Tamashiach, Matai chez Bezrat Hashem, on va voir comme les puzzles. Tu vois, toutes les pièces que tu as dit, qu'est-ce qu'elle fait ici, quel rapport, Mishpate Hashem, Satku Yachdav. Toutes les Mishpatim d'Hashem, ils sont juste quand ils sont ensemble. Quand on voit tout, comment tout est juste, on va dire, waouh! Oh là là, combien j'ai pleuré sur ça et qu'est-ce que j'ai, combien j'ai plaint et combien ça. Et regarde le final, combien il m'a sauvé. Ou des choses pires, ou c'était capara sur quelque chose, ou c'est une mille raisons que tu vas voir les choses. Parce que là, on tient, chacun possède une partie, mais on n'a pas la totale. Totale, tu n'as pas. Et le Yetzara, il sait que tu n'as pas la totale, il joue sur tout ce qu'il est en manque. Souvenez, on a dit une fois, c'est quoi la tristesse? C'est quoi tous les orgueils et toutes les colères, d'où il vient? Que l'homme, il sent toujours qu'il a une manque. Dès qu'il croit qu'il a une manque par rapport à son voisin, par rapport à son ami, par rapport à la société, cette manque lui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal jusqu'à arriver à être malade. Quelqu'un qui est heureux, il est complet, il ne manque rien. Et ça, qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Il a dit, tu ne m'as pas dit que cette montre-ci, c'est pour moi, et les montres futures, c'est pour toi. Je vois, tu as des chefs, des femmes riches. Yaakov, il lui dit, yesh l'école, moi, c'est... j'ai tout, prends ce que tu veux, moi, j'ai tout ce qu'il faut. Et ça, tant que tu lui donnes, jamais c'est assez. Quand un homme, il se sent qu'il ne lui manque rien, il est besimcha, il est beshlemout, il est en bonne santé, il n'a pas la jalousie, il n'a rien qui se réveille. Donc, le Yetzer Hara, sur quoi il joue? Tu as une manque. Il te manque quelque chose. Tu n'as pas d'amour. Hachem, il ne t'aime pas. Hachem, c'est ça qu'il joue. Il te manque des pièces pour comprendre le puzzle final. Et sur cette pièce qu'il te manque, tu dois faire confiance à Hachem que bientôt, il va te montrer les pièces et où ça va être. Quand Mashiach arrive, ou c'est quand le moment que Hachem il décide. Vous croyez que tout est là infini? Chaque chose, il a le temps. Chaque chose, si tu n'as pas besoin, Akadosh Baruch Hu, jamais il te met dans ton chemin. On dit que Yosef, quand il était vendu, et ses frères, ils ont jeté dans les trous, etc. Après, il y avait un groupe d'Ishmaélim qui ont passé. Que normalement, chaque fois, leur chemin est habituel, c'était avec des pétroles. Et ces jours-là, juste quand ils ont pris Yosef, c'était une autre parfum. Chachamim dit, c'est bizarre, normalement c'est des pétroles. Et comment ça se... Chachamim, il explique que s'il y a une grande sésame que tu n'as pas besoin dans ta journée, dans ta vie, tu ne l'auras pas. Et si tu l'as, que tu as besoin de comprendre plus tard. Donc Chachamim dit, les souffrances de sentir des pétroles, ça ne fait pas partie des Issourim de Yosef. Donc Hachem, il lui a mis des parfums. Est-ce que vous comprenez jusqu'à où les choses vont? Mahpatlano maintenant, il était vendu. Il n'est plus avec son père. Quel que c'est ces détails, pétrole ou pas pétrole, Mazemeshanekva. Il était dans un trou. Il est envoyé de son père. Parlez-moi de ça. Ça, c'est important qu'il était vendu. Que ses frères, ils ont. On parle des petites pétroles ou des parfums. C'est que tu montes que tout est à la millimètre près. Et le fait que tu n'as pas toutes les pièces, ça ne veut pas dire qu'Hachem s'est trompé dans ton compte.
Est-ce que vous comprenez? Aval Bezrat Hashem, on peut que prier. Vous savez, des fois, on ne peut pas aider quelqu'un. On prie pour lui. Et des fois, on sent qu'on prie pour nous, mais les choses ne bougent pas. Continue à prier. Continue à prier. Parce qu'il y a des fois, maman, qui juste où il ne faut pas que tu t'arrêtes, c'est là que Bezrat Hashem, c'est comme les sportives. Ah, il court, il arrive, puis il n'en peut plus, puis il tombe, il passe un moment qu'il est difficile et tu reçois une autre énergie. Bezrat Hashem, avec tout ça, on n'a même pas fait. Donc, un juif, il a ses olam hazeh, il est attaché dans le olamot ha'elyonim, dans le monde là-haut. Donc, tout est un lien. Tu fais ici, ça remonte là-haut, et la HPA, elle redescend sur toi. Donc, un homme, il doit savoir que dans le monde, il y a aussi mesure par mesure. À Kol, c'est mesure par mesure. Tu fais, on te fait. Le bien comme le mal. Donc, l'homme, il ne peut pas dire pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi. Aussi, l'homme doit faire attention de ne pas croire que Stam, à Kol, Kacha, par hasard, les choses arrivent. Pas du tout. Si tu mets une graine de pamplemousse, tu auras un arbre de pamplemousse, tu n'auras pas de banane. Oui. Non, est-ce que vous comprenez? Hein? J'entends pas. Le temps ne nous appartient pas, on ne connaît pas quel temps arrive. Exact, c'est ça le piège. Et c'est ça où l'homme, il tombe dans un piège. Sauf si. Comme? Sauf si, pour reprendre l'exemple que tu as donné tout à l'heure, c'est le cas du parent, d'accord? Alors, si l'autre, il a posé des bananes avant, hein, peut-être qu'il tombe si c'est la banane qui va prendre. C'est possible, oui. Ça, ce que tu dis, Déborah. Bah oui. Ça va dans ce qu'elle a dit tout à l'heure. Et si les enfants, ils continuent ce chemin? Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il sorte de tous ces tout-ma? D'accord? Donc, puis, Tom, il y a un enfant qui arrête tout ce chemin de son père. D'accord? Donc, la force qu'il aura une influence sur lui, elle est faible. Parce que lui, il change complètement. Donc, il y a quatre choses qui changent un décret sur l'homme. Une des quatre choses, c'est quand il change complètement ses attitudes. Il n'est plus la même personne. Tu comprends? Parce que tout c'était à vote, il les plie face à la volonté d'Hachem. Mais c'est long ça. Ça veut dire dur. C'est long pour ça arriver à faire ça. Le travail est long. Pas du tout. C'est un travail sincère. Et je vais te dire une chose. Quand Non. Il y a, je vais vous dire une chose. C'est ça le problème. Tout, je vous avais dit plusieurs fois, si on cherche les vérités dans ce monde, mais sincère, tu vas trouver Hachem, tu vas faire une tshuva magnifique. Si tu fais les Torah, tu fais les mitzvot, tu fais les cours à côté pour calmer une peur profonde que tu as, pour dire, ok, Aïkar, que je tiens quelque chose, mais tu ne veux pas vraiment changer, tu ne veux pas vraiment coller Hachem, tu ne veux pas vraiment découvrir Hachem, donc, quelque part, il y a des difficultés. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire que si c'est sincère, tu raccourcis le chemin. Est-ce que tu comprends? Des fois, ça peut être sincère. Non, on peut s'annuler. Un jour, on s'annule complètement. On a quelqu'un devant nous qui est très dur. On s'annule, on fait un travail. Ok, alors on a gagné. Mais le lendemain... Mais ce n'est pas un jour, mamie. Voilà. On ne parle pas des un jour. Après, on se dit... C'est dur. C'est ça, moi, je ne te parle pas d'être annulé devant une personne. Je parle d'annulation devant l'idée que l'homme... Stam Dougma, regarde, je vais te parler très concrète, comme ça tu comprends, parce que j'ai des fois, je ne sais pas comment je vous dis les choses, j'ai peur que ça soit trop dur. Je sais plus que va. Non, mais des fois c'est bien. Non, vas-y, métal. Vas-y. Vas-y, pas peur. On va filtrer. Regarde. Si on se lève, Stam Dougma. Stam Dougma. Je te donne, écoute, un exemple comme ça. Vous avez les femmes, je parle d'un sujet comme ça direct. La femme, elle doit être tzniout, n'achon? Mais c'est tzniout, couvrir la tête, couvrir ses jambes, couvrir ses genoux, pas parler beaucoup avec des hommes ou pas parler du tout. Mais c'est Sarah Imenu, oui ou non? Maintenant, c'est des choses très dures.
נכון? La femme elle veut plaire, elle veut que tout le monde dise oh, qu'elle est belle ta femme, qu'elle est sympathique, qu'elle est intelligente, nanana. Et quand elle passe, c'est comme une vent. Mais si tu l'enlèves tout, c'est comme si tu coupes les ailes à un oiseau. D'accord? La Torah, elle te parle de Kimchit. Tous, vous avez attendu Kimchit. Qu'elle a eu 7 garçons, tous des Kohanim Gdolim. Pas un, pas deux, pas trois, 7. Chaque année, c'est des Kodesh HaKodashim, des enfants, Kimchit. Maintenant, les rabbinim, ils ont tous pris cette femme. Ils ont dit, maintenant, tu vas nous dire, qu'est-ce que tu as fait que tu as eu cette mérite d'avoir des garçons aussi élevés dans les peuples juifs. Il a dit, ma city, j'ai juste couvert la tête. Moi, même les murs, ils n'ont pas vu mes cheveux. Toutes les femmes, ils ont fait ça. Personne n'a eu même un demi-Kohen Gadol. Pourquoi? Attends, deux secondes. Non. C'est, en fait, c'est une chéla rhétorique. J'ai posé la question pour que je réponde. Deuxième chose, et Rabbi Akiva, écoutez un autre exemple. Rabbi Akiva, quand il s'est marié, qu'est-ce qu'il parle comme ça, ça m'aime. Rabbi Akiva, il s'est marié avec sa femme. Il n'avait même pas de paille pour les bébés. Pauvre gamour. Mamash, pauvre gamour. Maintenant, sa femme, elle vient d'une famille très, très aisée. Qu'est-ce qu'elle fait, sa femme, maintenant? Elle a des bouts de choux et tout. Elle lui dit, va étudier. 12 ans, encore 12 ans. Il revient 24 ans après. Il a après des héritages, etc. L'homme est Chanel. Il achète à sa femme, à l'époque, c'était... Pas ça que Chanel, c'est rien à côté. Un grand courant, c'est marqué... Tout avec plein diamants. Toutes les femmes de la ville parlaient des courants de Rachel. Elle dit à son mari, achète-moi comme Rachel. Qu'est-ce que les hommes ils ont dit? Tu aurais fait ce qu'elle a fait à son mari? Tu aurais resté un an sans que j'amène la Parnassa, sans que je suis avec toi pour élever tous les enfants, pour qu'il va, elle devient qui il est devenu? Donc ces deux exemples, il y a encore plein d'exemples. Il faut savoir que dans la vie, c'est comme la graine. Tu veux sortir une grande arbre, il faut d'abord qu'elle, comme si elle meurt, elle s'annule complètement. Il y a des gens qui te disent, ah non, moi, je veux des enfants, talmidei chachamim, mais je reste comme je veux. Donc il faut savoir que dans la vie, il y a une certaine amal, il y a un fardeau que l'homme doit donner de lui-même. C'est quoi ce fardeau ? Que je m'annule complètement, mais je ne fais pas parce que simplement tu veux, le niveau plus élevé, parce qu'on veut arriver le maximum, c'est que pas j'attends que tu me donnes des talmidei chachamim, je veux vraiment que tu auras une nachat ruach de ma conduite. Parce que toutes les femmes de la ville, ils ont couvert la tête comme Kimchit. Ils ont venu voir le rab, ils ont dit, mazé, on n'a même pas... Comment ça se fait? Elle a dit, elle n'a pas fait ça pour avoir les Kohanim Gdolim. Elle a fait pour faire nachatouar Hachem. J'ai envie de t'amener quelque chose qui t'amène une sérénité, que tu sois content de ta fille. Après que tu me donnes X, Y, Z, c'est ton choix à toi, Hachem. Ce n'est pas mon choix. Moi, je m'annule devant ta volonté. Ce qui Chachamim, il dit, « Batel retzoncha mipnei retzono. » Annule ta volonté devant la volonté d'Hachem. Maintenant, waouh. Quoi? Tu prends tes cheveux blancs, magnifiques, ton corps, tu ramasses tout, tu caches, et tu annules complètement, voilà, Hachem, je te donne tout comme un cadeau. Mais après, dans 20 ans, 30 ans, quand on baisera ta Hachem, tu auras, hop, des flashs comme ça. C'est pas qu'on attend à ça. Je vous raconte une histoire, ce qui s'est passé avec Kimchit. Donc, ce qui s'est passé avec la femme de Rabbi Akiva. Donc aujourd'hui, les Tzara, il te dit, vis les présentes, laisse les futurs, t'es déjà tzadeket. Alors, il nous fait tomber dans quoi? C'est déjà ce que tu fais, c'est bien. Tu parles avec des femmes, ah moi je suis chomérette. Jusqu'à quand chomérette? Passe à une autre étape. Avance, chomérette Shabbat. Tu avances. Tu ne peux pas rester stagné parce que les Tzara, il adore qu'on stagne. Il adore les gens qui stagnent. Ah, moi, j'ai mon cours une fois par semaine. J'ai Shabbat, tu sais, je couvre un peu. C'est très bien, mais toi, tu me donnes des comptes à moi. Qui je suis? Moi-même, je dois donner une compte. On est tous ensemble, on va donner une compte.
devant lui, si lui il est content de toi, tu es tranquille. Mais est-ce que tu crois qu'il est content de nous? Qui ici, il y a une fille dans le monde qui ne doit pas arranger sa tsniout? Tu comprends? C'est pas que ça. C'est dans tout, on doit travailler. Donc on essaye, mais la Torah te donne comme ça des flashs. Elle te montre une grande sésame quand tu m'annules quelque chose où tu peux arriver. Où tu as des gens qui ne voulaient pas comme ça baisser un petit peu Yeravam ben Avat. Il devait être un grand homme dans la Torah. Tellement qu'il avait l'orgueil, arrivé à un point qu'Akadosh Baruch Hu lui dit à lui, Hachem parlait avec lui, imaginez-vous. Hachem lui dit, viens, toi, Ben Ishaï parlait de David HaMelech, et moi, ça, tu vas te balader dans le Gan, Hachem lui dit, on va se balader au Gan Eden. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Qui c'est qu'il va être Baroche? Oui, Baroche. Qui c'est qu'il va être à la tête de cette balade? Hachem, Dafka, il lui dit quoi? David, Ben Ishaï. Pas toi. Toi, tu vas être seconde. Ah, je vais être seconde. Il est descendu. Il a touché les guénons. Pour vous dire qu'il y a les traits de caractère, c'est la racine qu'on a la gava. Même les tsniou, tu ne peux pas faire si tu as une gava au profond. Parce que tout ces ignans de s'annuler. Les gens, ils ne peuvent pas s'annuler. Ils ont toujours, ils veulent être. Mon cher Rabbeinu, il avait des enfants magnifiques. Lui, il croyait qu'il y avait les successions, que c'est ses enfants qui vont continuer. Quand je vois qu'il lui a dit, tes enfants, c'est vrai, ils sont grands dans la Torah, mais il y a Yoshua Benoun, qu'il était grand dans la Torah, mais il était simple. Ouais. Mon cher Abenou finit les cours, il arrange les chaises, il nettoie, il arrange les livres, il attend rien, lui, il fait son maître. Je lui ai dit, lui, il va être celui-là qui te continue. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est comme la graine. Tu la laisses sur la table, venez la semaine prochaine, elle va être dans les mêmes positions. Il faut la mettre au contact de la terre. Il faut qu'il y ait quelque chose en nous qu'il me pousse à découvrir une autre façade chez Hachem. Pas j'ai fait pour une punition, j'ai peur de ça. On ne fait que des calculs avec Hachem. Il faut venir sans rien. J'attends de rien, j'ai peur de rien, je veux t'approcher à toi. Montre-moi ton chemin. Vous comprenez? Parce qu'on approche pour X raisons, mais pas pour vraiment goûter ce qu'il veut te donner. Hachem, il t'aime, il veut une relation, une père et une fille. Et nous, on fait relation chôteur, et policier et un juge. Vous comprenez? Ce qu'ils disent les chachamim, mais Bezrat Hachem, qu'on aura ici à Tadishma d'avancer si Dieu veut. Amen.